Encore une fois, je suis à la direction du circuit Paul Ricard, cette fois pour aller voir le bol d'or. C'est parti mon kiki! Ça fait 2 ans que je suis pas allé voir cette course et c'était mon dernier week-end en métropole. Après, je repartais travailler à Saint-Barth. Alors, autant vous dire que j'étais en forme. Et là, c'est bon, je suis arrivé. Nous voilà dans l'enceinte du circuit. À 80 balles la place, ils t'offrent quand même un petit magazine et puis un médaillon, ça rigole pas. Et puis je peux te dire qu'il y en avait de la vegan, hein. Oh, pauvre. Alors là, nous sommes que vendredi soir, et fin du soir, ça commence déjà par le bol d'or classique. Donc c'est un petit bol d'or qui dure 2 heures, je crois, avec des vieilles vegan. Bon, après cette petite course, je suis allé voir le petit concert, mais bon, il n'y avait pas foule. Hein. Et puis, je me suis dit que j'allais me coucher, parce que demain, je voulais être en forme. Naïf que j'étais de croire que j'allais dormir. Enfin bref, on était que vendredi soir et j'ai pas trop dormi de la nuit quoi. Après une nuit assez courte donc, j'ai pu aller profiter des stands pour aller voir de très vieilles B4 vraiment très belles. Il y avait aussi quand même les stands des sidecars pour les handicapés, très intéressant. Et forcément quand même la Triumph, hein, la Triumph Moto 2 officielle, hein, et la Triumph qui sera en vente aussi, bien sûr, avec la grosse roquette à voir aussi éventuellement. Sympa la nouvelle Esmiraire, mais je préfère l'ancienne quand même. Bon, la R1 on n'en parle même plus, hein. Elle est trop belle. Le stunt aussi c'est toujours aussi bien. Ensuite, eh ben, petit tour au stand, hein. Obligé quand même, allez voir ça. Bon, je pense que vous connaissez le principe de la course, hein. Donc le principe c'est quand même de faire tourner une moto pendant 24 heures avec seulement 3 pilotes. Donc les pilotes tournent environ toutes les 45 minutes. Donc je vous laisse imaginer la quantité de pneus de carburant qui doivent passer en 24 heures. Et donc bien sûr là-dessus il y a plein de réglages à faire sur la moto pendant toute la semaine. Et les mécanos faut qu'ils gèrent les pannes qu'il y a en 24 heures. C'est des grands malades. Une Ducati en endurance? Ouais, bon. Par contre faut avouer qu'elle a vraiment un joli petit cul quand même. Enfin le départ, mais sous la pluie et le vent. Là, tous les pilotes sont alignés à une distance égale de leur moto et c'est bientôt parti. Malheureusement, à cause des conditions météo, la course a été arrêtée tellement que c'était il pleuvait et qu'il y avait beaucoup de vent. C'est quand même du jamais vu ça, mais bon. Donc du coup, arrêtée, je crois, de genre 8h30 à 6h du matin pour le lendemain. Donc c'était dommage, très long. J'en profite donc pour vous mettre des images tournées au bol d'or de 2016, que je connais quelqu'un qui travaille dans un team. Donc du coup, j'ai eu accès au paddock quoi et aux terrasses. C'était pratique. Allez!
Ah, et puis j'ai oublié de vous parler qu'il y a aussi le bol d'argent. Le bol d'argent, c'est une petite course de un peu plus de 2 heures, je crois, qui se fait sur des rosters bien préparés, forcément. Et souvent, c'est le pilote remplaçant des écuries qui fait la course sur un roster. Et c'est vraiment beau à voir aussi. Bon, du coup, course arrêtée, concert annulé. Donc nous, il ne nous restait plus qu'à se promener dans le camping en tenue pluie, puis aller boire des coups aussi quand même. Donc voilà, il y avait de l'ambiance dans le camping. Hein. C'est aussi ça, le bol d'or. Mais quand même, la course a fini par reprendre au petit matin. La course est bientôt finie et donc moi je suis pas resté pour l'arrivée parce qu'il était pas beau et que je voulais rentrer. Mais assez déçu quand même par ce bol d'or parce que disons que les places sont de plus en plus chères et pourtant il y a de moins en moins d'animation en plus de la course, donc c'est assez décevant. Et aussi bon ben ça c'est pas leur faute, mais la course annulée pendant autant d'heures, c'était vraiment décevant aussi. Et surtout j'ai une pensée émue à toutes les motos qui sont mortes ce soir-là.